deux disques parus chez Transart Live. Vous avez sorti en septembre dernier votre troisième disque, donc là avec votre ensemble Les Tris du Diable, qui a remporté un énorme succès. Ce disque est actuellement à tout petit prix dans le commerce, à peine un an après la sortie. Que pensez-vous de cela et plus généralement que pensez-vous de l'industrie du disque à l'heure actuelle? Je suis très attaché au disque, à l'objet du disque, donc même si je comprends le téléchargement et que la vie continue, comme c'est déjà fait dans trois tours, ensuite les disques, voilà, je suis très attaché. Après, par rapport au prix, j'ai vraiment pas d'avis, je me dis tant que ça c'est bon que les gens achètent. De casser le prix aussi vite, c'est pas aussi, hein, je ne sais pas, ça dévalorise un petit peu le disque, vous ne trouvez pas? Oui, c'est possible. Enfin, je le vois comme ça et je ne me suis pas vraiment posé la question. Mais voilà, surtout que le prix. Enfin, je ne sais pas quoi répondre.